Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, je vais très bien. Ici, Miotex pour une petite partie de jeu de société. Donc, aujourd'hui, les amis, on va jouer à un jeu de société québécois qui s'appelle l'hostie de jeu. Donc, avec le nom, c'est bien québécois. Donc aujourd'hui je me retrouve avec mon frère et deux petits juges qui se retrouvent à l'arrière. Faites du bruit! Faites du bruit! Attends, pourquoi pas? Ok, donc là, si vous savez pas c'est quoi le principe du jeu, c'est tout simplement de faire rire. Donc celui qui a la carte la plus drôle, il va gagner une petite carte noire. Vas-y, montre-la. Petite carte noire comme ça. Et sur la carte noire, il va y avoir une phrase. Il faudra compléter avec une autre carte. Donc, on aura 8 cartes en notre possession. Il faudra compléter la carte noire. Et celui qui aura la plus drôle gagnera un point. Celui qui a le plus de cartes noires qui a gagné. Donc, commençons tout de suite. Ok, puis j'ai une carte noire. Puis j'ai une carte noire. Je me suis penchée et tout le monde a vu. Trois petits points. Donc, il faut compléter cette phrase-là et on a le choix entre 8 terminaisons de phrases. Ça va être la phrase la plus drôle qui va gagner. Donc là, on va dire notre carte et les juges en arrière vont décider quelle carte va être la plus drôle. Okay. Donc là, je commence. Je me suis penché et tout le monde a vu le gros Tonka à Abesto. Une note sur 10. Vous pouvez parler, les jeux. Oh! 5 sur 10. Ok, vas-y. Je me suis penchée et tout le monde a vu une débarbouillette de ma tante. Ils sont... Oh, comment? 3 sur 10. Ok, je gagne la carte noire. Donc, le but, c'est parfait. J'en ai une à ma possession. Ok. Donc là, la prochaine carte, il faudra compléter la phrase. C'est bien dans ma peau grâce à 3 petits points. Ok, vas-y. Donc là, on choisit. Est-ce que j'en ai 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est quoi? Bien dans ma peau grâce à 3 points. Ok, j'en ai une. Celle que j'ai pigée. Quand même drôle. Bien dans ma peau grâce à Justin Trudeau. Tombé sur 10. Bon, lavez plus vos doigts, on les voit pas. 4 sur 10. Ok, vas-y. C'est bon. Bien dans ma peau grâce à mon oncle Serge. Oh! 6! Ok. Donc là, tu gagnes la petite carte. C'est 1 à 1. Je pense qu'on va faire une manche de 3. Pour pas que ça soit trop long non plus. Mes cartes rouges sont là. Ok, je te laisse piger une autre carte noire. Trois petits points est clairement mon jouet sexuel préféré. Ok, celle-là on va pas la prendre. On en prend une autre. Ok. Qu'est-ce qui a gâché mon enfance? Trois petits points. Ok. Non. Qu'est-ce qui a gâché mon enfance? Péter plus haut que le trou. Oh! 4! Ça fait 6 sur 10! Ok! Ton tour! Qu'est-ce qui a gâché mon enfance? Gâché mon enfance? Un caca qui brûle. Un caca qui brûle. Mais là, 3 points! Elle a jeté les doigts là! Ok! Ok! Hey, parlez coach! J'ai deux cartes noires. Donc là, si je gagne la prochaine manche, je gagne la partie. Pourquoi? Parce que je vais avoir trois cartes noires. Ouais, mais c'est pas que. Ok! C'est à l'infini. Non! Oui. Parce qu'il faut bien que un jour la vidéo se termine. Ok! Prochaine carte solitaire, on va faire piger nos juges. Pour la prochaine carte noire. Carte, juge.
Ok, la phrase à compléter est 3 petits points, c'est bien meilleur le matin. Ok. Donc on doit compléter cette phrase-là en sachant que si je gagne cette manche, j'ai gagné la partie. Ok. Vas-y, t'as-tu trouvé ta carte? Oui. Ok, je commence. Non, vas-y, commence parce que c'est toujours moi qui commence. Jouer à touche pipi, c'est bien meilleur le matin. Ça c'est très bon. Oh! Yo! 9! Ils sont d'un 9 sur 10! Ok, attention, est-ce que je vais pouvoir conquérir mon petit frère? Chier dans ses culottes, c'est bien meilleur le matin. Ok, 5! Ok, j'avoue que c'était pas tellement drôle. J'ai plus aimé ton touche-pipi. Ok, on prend une autre carte. Non, elle, tu la remets pas là. Elle, quand tu viens de jouer... Pas grave, il reste juste une manche parce que là, c'est 2 à 2. Là, t'as 2 cartes noires puis moi, j'ai 2 cartes noires. Ok, prochaine carte noire. T'en as 2? Ouais. Okay. Qu'est-ce qui est pire que de croquer dans le fruit interdit? 3 petits points. Ok. Donc, qu'est-ce qui est pire que de croquer dans le fruit interdit? Un jackstrap sale. Oh, 7! 7 ici à battre. Vas-y, on va voir. C'est la dernière manche, celle qui va décider du vainqueur. Alors... Vas-y. Qu'est-ce qui est pire de croquer dans un feu interdit? Une bibliothécaire finquée. Ça fait 7 aussi! C'est une parfaite égalité! C'est pour ça qu'on va aller en prolongation. Donc, on se retrouve en prolongation et je viens tout juste de piger la dernière carte noire qu'on va piger dans cette vidéo. Et la carte noire est « Je me sens mieux quand je donne 3 petits points à un squeegee ». Un squeegee est un homme qui lave les autos contre de l'argent. Pour ceux qui ne savent pas. Vas-y. Je me sens mieux quand je donne un retour all dress à un squeegee. Ça n'avait pas du tout de sens! Allez, pour 10, 10, 5, 5. Ah, ok. Je vais prendre la carte noire. Je me sens mieux quand je donne un squeegee du jus de nez. Attention, le vote des juges. 3, 2, 1. C'est pas un dog, c'est un rocker en dress, mais. Ok. Donc, le grand vainqueur, la Lou 28. Oh yeah. Allez vous abonner à sa chaîne. Parce que je suis le gagnant. Ouais, c'est lui qui a gagné la partie. Donc, c'est tout pour cette vidéo dans laquelle on a joué à le maudit jeu. Donc vous pouvez vous le procurer. Je pense qu'il est sur. Je pense qu'il est seulement au Québec. Renaud Hébré. Ouais, Renaud Hébré au Québec, mais pour les autres pays, je ne saurais vous référer. Donc si vous le voulez, il est dans la description. Et donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à partager la vidéo avec vos amis. C'était Nootex et on vous dit à la prochaine. Bye bye! Bye!